merde. C'est pas ce que j'avais demandé au départ. Qu'est-ce qu'il veut que je chante avec mes couilles? Bonjour à tous. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez parler entre vous, hein. Je suis pas pressé, toi, quand t'arrives au boulot, tu commences pas tout de suite non plus, hein. Ah, ils ont foutu tous les feignants devant. Ça. Et les artistes précédents vous ont plu? Putain, ça va vous changer. Ah, toujours les meilleurs en premier. Je vous rassure, je suis pas le dernier. Bon, dans ce temps-là, j'observe. Je me suis demandé en faisant la tête que vous auriez, je suis pas déçu. Hein. Ah non, on a eu pire ici. Moins nombreux. Mais l'important, ce n'est pas la quantité, l'important... c'est que les artistes se soient payés, c'est ça que je veux dire. Marquez, c'est sûr de ne pas être déçu, puisque nous sommes samedi, que le public du samedi est un public... chaud. Toi, t'as raison, garde tes forces pour chier. On va quand même... Bonsoir, public. Et je dis pas ça parce que nous sommes samedi, je dis ça tous les jours. Mais il est vrai que ce soir, c'est un public plus classe. Ouais, je dis pas ça en vous voyant. T'as gagné un concours de pull à chier, toi, ou pas, hein? C'est pour aller couper du bois, ça, non? Ingalls. Rappelle la petite prison dans la mairie, le feuilleton. Non, je serais un public plus classe, à propos de là, je me suis garé tout à l'heure à côté d'une grosse BMW, c'était qui? Faut pas se dénoncer, les BM, faut le savoir les gars, c'est un petit peu comme les hémorroïdes, tous les trous du cul finissent par en avoir un jour. Ouais, bah ceux qui se marrent, ce sont ceux qui n'en ont pas, hein, c'est sûr. Ah, puis t'en vois un qui fait la gueule, tu cherches pas, c'est la sienne. En plus, c'est con, hein, j'ai rien contre les BM ni les hémorroïdes, je m'en fous. J'ai ni l'une ni l'autre, moi. Je dis ça, c'est pour donner un petit peu la couleur du spectacle. Vous voyez, comme ça, s'il y en a qui veulent partir, toi, tu peux y aller maintenant. Je lui fais pas, celui-là. Je sais pas pourquoi ils l'ont foutu devant pour me faire chier. Ou pas. Ah, t'as un physique qui attire la haine, toi, c'est con. Oh, ensuite, je tenais à préciser quand même que vous avez, comment dirais-je, immensément de chance de m'avoir parmi vous. Si, mon père voulait pas d'enfant. Moi, c'est comme toi, on se demande pourquoi ta mère a pas pris la pilule non plus, hein. Ouais, mon père voulait pas d'enfant, le mien, mais il avait une excuse, j'ai entraîné vous fatigué. En plus, ça, il était pas équipé pour avoir des enfants. Je sais pas si vous verrez bien dans le fond, les filles. Mais bien, elle est toute petite. Mon père. Comme quoi, ça peut sauter une génération. Je vous remercie de votre enthousiasme, monsieur. Il est vrai que mon père avait un sexe si petit que ses spermatozoïdes sortaient à quatre pattes. L'outil smart, ça se trouve, les siens sortent à plat ventre. Et puis la chose supplémentaire que vous avez encore de m'avoir parmi vous, c'est parce que je suis en possession du tube de l'année. Oui, tu t'excites pas, mon grand, c'est pas celui-là. Hein. Je peux mettre un peu de guitare, hein. C'est le tube. C'est le tube que je voulais au top 50, moi je voulais l'appeler. Oh, qu'il est beau! Le marmot, qu'il est laid, le stérilet. J'ai toujours pas de guitare. J'en joue pas bien, mais ça va m'aider quand même. Je m'y fais pas, celui-là. Hein. Quand on pense qu'ils se sont mis à deux pour le faire, ça c'est pas. Le tube de lait, c'est le tube que je voulais au top 50. Je voulais l'appeler au qu'il est beau, le marmot, qu'il est laid. Je l'ai appelé la petite Austin. J'espère que le type qui a la BM n'a pas d'Austin en seconde voiture. Et la petite Austin a deux avantages ce soir. Le premier, c'est que c'est moi qui suis payé. Le second, c'est que c'est vous qui allez la chanter. On sent l'ambiance qui grimpe. Hein. Plus ça va, plus s'en branle le genre. La petite Austin. Avec sa petite Austin, il avait l'air, il avait l'air, il avait l'air d'un con. Tout le monde suit bien? Oui. Ses copains et ses copines. Oh putain. En le voyant, disait voilà, l'autre con sent l'ambiance qui grimpe. Il s'en branle de plus en plus. Et même dans sa famille.
Quand on demandait de ses nouvelles, on disait comme un valot de con. Et sa femme et sa fille le prenaient aussi pour un con. Et même son chien le mordait pour de bon. Oui, c'est pas compliqué, hein. On en a déjà fait le tour. Je sais pas si vous êtes au courant, mais les artistes déposent leurs œuvres à la SACEM. SACEM, forcément. Il suit pas tout non plus, lui, hein. Si ça sème, ça récolte. Reviens demain avec l'autre. Et le type à la SACEM m'a dit, si tu récoltes un rond avec cette chanson, moi je viens péder. Et depuis, j'ai envoyé de la Noé en plaisant. C'est sans fondement, si. Ah si, un garçon qui va rester dans les annales quand même, on va pas se tromper. Il paraît qu'il est rentré dans les annales en sortant du bus. Et non pas rentré dans les anus en sortant du bal, ça vient de là. Vous connaissez l'instrument préféré de Delanoé? Non, c'est le tambourin, parce que tambourin, tambour 2, tambour 3... Hein? Delanoé, le seul type que je connaisse qui s'est réveillé un matin tout fier en disant « Ah, j'ai quatre couilles !» À mon avis, il s'est pas endormi tout seul. J'ai l'impression qu'on s'éparpille. On va revenir à ce qui nous préoccupait, c'est-à-dire... Là, lui, il a l'air con, mais je suis bien là, petite hostie. Et là, c'est vous qui chantez. Avec sa petite hostie. Faut y mettre tout de suite, mon grand, faut y aller. Hein. Ah, tu vas voir au bout de trois fois, ça fait vraiment chier. On y va. Avec sa petite hostie. Il avait l'air. Vous êtes déjà venu, non? C'est excellent hein, quand ça redémarre aussi fort. Ses copains et ses copines. En le voyant, disait voilà, l'autre con. Bien que du l'autre con, là, mais t'es vite de me regarder. Et même dans sa... Attends, comment ça va pas, la dame, elle le fait en playback, un petit peu comme ça. À cause de toi, on est obligé de la reprendre au début, ça va faire chier tout le monde. On commence. Avec sa petite... Ses copains. Voilà, la petite, elle suit bien, elle a plein le cul, bien que ça se termine. En le voyant, disait voilà. Et même dans sa famille, quand on demandait de ses nouvelles, on disait comment va l'autre con. Et sa femme et sa fille le prenaient aussi pour un con, et même son chien le mordait pour deux. Allez, vous pouvez d'ores et déjà vous applaudir bien fort. Le travail est sympathique, mais si tu continues à applaudir avec les mains dans les poches, tu vas t'éclater les couilles. Alors. Tu vois que t'étais pas tout seul dans le quart de Belge. Alors maintenant. Lui. On va se calmer. Maintenant, nous allons essayer de structurer ce merveilleux moment lorsque je vais lever le bras, comme ça, vous allez crier spontanément. Une autre. On fait un essai. Ça fait super plaisir, je ne m'y attendais pas du tout. Bah grâce à cela, vous avez donc à droit à la seconde chanson. Qui vous concerne un petit peu les filles, c'est une chanson que j'ai gardée du Salon de l'Agriculture. Je dis pas ça par rapport à vos costumes folkloriques, hein, c'est très joli. On voit que vous avez le même marchand de fringues que l'autre, là. Lui, il va me rentrer dans la gueule avant la fin. C'est une chanson très animale que j'ai intitulée « Ils étaient faits l'un pour l'autre ». Oui, les petites blondes, vous vous méfierez, il y a un ou deux jeux de mots dedans. Vous savez la différence qu'entre blonde et blondasse? Il y en a pas, c'est comme entre conne et connasse, il y en a pas non plus. Fais l'un pour l'autre. Ça fait, moi j'ai connu une poule qui m'appelait mon canard. Il n'était pas trop chienne et du signe du taureau, qui me fit voir sa moule sous son manteau de renard. J'ai trouvé ça très chouette et trouva son corbeau. T'as compris ce corbeau? En parlant de moule, vous connaissez la durée de vie moyenne d'une moule? C'est 10-12 ans. Après, il y a des poils qui poussent, on appelle ça une chatte. Ça, c'est fait. Et c'est pour ça que je passe pas à la télé. À cheval sur les principes, mais quand j'ai vu son chat, je me suis dit, cette souris, elle va me rendre chèvre. Au vu de cette girafe, je fus fait comme un rat. Moi
qui portait un bouc cachant un bec de lièvre. C'est fou comment se l'écaille une fois nu comme un verre. Elle me faisait de grands signes disant ben mon cochon, t'es malin comme un singe, j'étais un rôle de zèbre, me disait la gazelle, mais sur un drôle de ton. Tu seras mon guépard, je serai ta lionne. Elle est sur le départ, mais à la gare de Lyon, mes illusions détruites par cette grande cigogne que je n'ai pu garder faute d'avoir. Les ronds. Là, ça fait super, super plaisir. Il s'agit du blues. Vous aimez le blues ? On est peut-être assez nombreux pour essayer de se le faire façon palais des sports. Ouais. Cache ta joie. Est-ce que vous aimez le blues ? Ouais. Ah, que ça tombe bien. Que Johnny l'a pris un blues, quand il mettait là devant, le derrière. Ah, que dans le milieu, ben là, ah, que le. Ouais, c'est con, mais faut les trouver quand même, hein. Vous l'avez vu, Johnny, quand il est passé qu'il veut gagner des millions ? Non ? Vous n'avez pas la télé au village ? Ouais. Ouais, bon, on lui pose une question à laquelle il ne sait pas répondre, on s'en va un peu con. Il a le 50-50, le vote du public, ou tu peux téléphoner à un ami. Pas que téléphoner à un ami. Allô, c'est Johnny, qu'est-ce que je fais ? Je prends le 50-50 ou le vote du public ? Ah, même les Belges en ont pas voulu. C'est nous qu'on l'a. Moi, en ce qui me concerne, les gars, j'ai fait le seul blues français pour lequel nous sommes reconnus dans le monde entier. Faut dire qu'on n'exporte pas grand-chose. Pour cela, nous sommes les meilleurs. J'ai nommé le Kékette Blues. T'embranles un petit peu, t'es plus concerné. C'est ce que tu peux tirer dans un lit, toi, c'est les couvertures, non ? Vous ne m'arrêtez pas, tout ce que je peux sauter maintenant, moi, c'est un repas. Bah oui, c'est mieux que rien. Va donner un verre à lui, là-bas. Ah, ça serait vraiment dommage qu'il dégueule pas ce soir. Alors, donc, mais vous m'arrêtez pas les plus jeunes, c'est l'âge qui fait ça. Hein. Je passe plein de vieillir, moi j'ai plein de potes qui ont pas eu ce privilège. De vieillir. Voilà, là, je viens de plomber la salle. Tu sais quand tu te rends compte que t'es vieilli ? C'est quand un mec te dit elles sont belles, tes bottes en croco. Alors que t'es pieds nus. Attends, il y a un truc qui te rend non plus, hein, c'est quand une pute te dit « Tu mens, tu refais l'amour, tu là, faut choisir, c'est soit l'un, soit l'autre. » Donc, quelque chose. Merci. Bah, c'est pas un poil de cul, là, c'est ça. Attention que je ne vous prenne pas de cours. Ce soir, c'est une soirée à grand public. Mais à petit budget. Oh, ça me fait penser à une devinette. Attends, c'est Sado et Mazo, c'est ça. Sado et Mazo sont dans un bateau. Mazo tombe à l'eau, qu'est-ce qui reste ? Sado ! N'y pense plus, c'est là que tu te fais du mal. Sur la tête, elle a l'air sympathique, la petite blanche. Tu veux faire une petite devinette avec moi ? C'est pas compliqué, je te rassure, autrement j'aurais pris quelqu'un d'autre. On essaie la duvel ? Allez, pince-mi et broute-moi la chatte, sans un bateau. Attends, elle n'a pas pu venir encore. Pince-mi tombe à l'eau, hé, hé, ne peut plus jouer.